Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue une nouvelle fois pour ce Let's Play consacré à Rival of Izor. Et dernier chapitre de l'histoire, on y est enfin, Izorgate, les portes d'Izor, nous y sommes. Et donc, on va cette fois avoir droit à un chapitre un peu spécial, puisqu'on va pas incarner ni un, ni deux, ni trois persos, mais les six qu'on a incarnés tour à tour jusqu'ici. Alors, ça fait longtemps que j'ai fait ce chapitre, donc il se peut que mes souvenirs soient lointains, mais de ce que je me souviens, on affronte des vagues d'ennemis, et donc on incarne avec ça tous les persos qu'on a eu jusqu'ici dans l'histoire, et à la fin on a un boss final, les Space Zeuil que vous voyez avec des ailes, pour en finir une bonne fois pour toutes avec la menace qui pèse sur le monde d'Izor. Bon, on va pas trop tarder, puisque là-dessus, j'aurais pas grand-chose à dire. Je pense que les personnages, maintenant, vous les avez tous en tête. Et en tout cas, vous savez ce qu'ils font et quelles sont leurs spécificités. Donc, on va y aller. Voilà, pour conclure l'histoire de Rival of Izor. Avec cette bataille finale. Et donc, toutes les aventures de ces six personnages ont mené au même endroit. Et justement, où normalement il y a des prairies verdoyantes, est apparu un vaste cratère qui maintenant est entouré de nouvelles mers, et la cendre volcanique charge l'air ambiant. Maypole et Forceburn arrivent et justement trouvent Zetterburn qui est déjà sur le bord de l'eau, et le lion fier, justement, essaye d'éviter ses yeux, de poser ses yeux sur. Son frère qu'il croit encore coupable du meurtre de son père, de leur père. Et donc justement, Ankain arrive plus tard, et Krag apparaît ensuite, et justement, en apportant le compagnon de Maypole, Lily, et finalement, Rastor arrive à la toute fin, alors qu'il avait justement poursuivi Krag jusqu'ici, et pour obtenir sa revanche sur le coéquipier qu'il a blessé auparavant. Sauf que soudain, la terre tremble, et justement, l'eau se remplit de racines violettes qu'on a vues auparavant, et d'ombres violettes, et la mer commence à se tourner se transformer en violet, et un vaste édifice de pierre surgit, émerge des profondeurs de la mer, avec un tourbillon qui fait rage au centre de l'édifice. Et cet étrange édifice en pierre semble être en fait, en réalité, un portail. Et à travers ce portail, tous les champions aperçoivent que ça plonge très profondément en dessous de la surface du monde d'Izor. Et c'est certainement la source du mal que Maypole avait constaté dans la forêt, et justement là d'où viennent les imposteurs d'ombre qu'on a vus auparavant. Et donc tous nos guerriers mettent leur... embrouille et leur rivalité de côté, et savent tous ce qu'ils doivent faire. En finant une bonne fois pour toutes avec ceci. Alors, apparemment, j'aurais pas du coup, contrairement à ce que je disais, les persos au fur et à mesure. Ouais, peut-être que c'est enchaîné, mais là, a priori, il faut en sélectionner un. Donc on va prendre Zetterburn, hein, que j'aime bien. Alors, ou peut-être que c'est ça, ouais. Je crois qu'en fait... Si vous perdez avec un personnage, vous avez les autres a priori. Et donc voilà, il y a... Ok, donc c'est direct un boss fight en fait. Ce serait pas mal de faire autre chose. Ouais. C'est Rotor, ça fait longtemps que je l'ai combattu lui. Hein. Franchement, bah, je crois que je l'ai fait qu'une fois en réalité. Hein, puisque déjà le mode campagne, je l'ai refait pour le Let's Play. Et sinon, j'en avais pas de trop auparavant. J'ai plus surtout du mode en ligne en fait. Et puis des combats entre... entre Jean et Irel. Hein. Voilà, toi, tu t'en vas. Ouais, ça tank pas mal, hein. En même temps, ce serait pas un boss final si ça tankait pas. Je crois, ouais, il freine le fire, effectivement. Bon, a priori, c'est normal du coup de mettre autant de temps. Parce que là, je suis déjà une minute. Et vu que mon record, après, enfin, mon record, ouais. Si mon record est à 5 minutes, a priori, c'est tout à fait normal. Mais bon. J'aime bien quand même en finir rapidement. C'est pas mal ça. Ouais, effectivement les imposteurs... Ah d'accord, on peut stun en fait l'œil en balançant un imposteur dessus. C'est pas mal ça.
Ok, ça j'ai vu ce que tu voulais faire. Ouais. Alors je sais plus si il partage les dégâts ou si il y a en fait une barre de dommage pour chaque œil. Bon. Voilà. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Parce que en réalité, il y a aussi un autre mode du coup qu'on pourra peut-être faire après dans ce let's play du coup. Qui est en fait un mode abyss où justement vous affrontez en partie ce boss final et justement il balance des attaques comme ça et c'est pour ça que certaines me reviennent parce que dans ce mode là en fait il les balance aussi. Peut-être tenter qu'il veut pas. Paris. Il est résistant ce boss quand même. Bon, ok, alors. Donc c'est ça. Là c'est Orkane qui arrive. Orkane, pardon. Donc voilà, quand vous perdez avec... ok, mais a priori, ils sont bientôt décédés. Je vois que l'œil est rouge, là. Enfin, les yeux sont rouges, plutôt. Ok, bon. Je vais esquiver tant bien que mal. Bon. Ok, peut-être mettre une flaque pour sécuriser le retour, si j'ai besoin. Bien vu, ça. Ouais, peut-être... Ok, du Friendly Fire, ça c'est pas plus mal. Non. Ah non! Bon, la flaque. La flaque. Je l'ai pas oublié, vous rassurez-vous. Non, pas en flaque. Non. Et ben voilà. Bon, bah, médaille d'argent. J'ai fait 10 minutes de moins, a priori, que la dernière fois. Et ben voilà. Donc, la créature ombragée a été vaincue. Et les guerriers maintenant unis... ont oublié leur rivalité passée et choisissent finalement de se considérer comme alliés dans le futur du monde d'Aether contre les menaces qui pèseront sur ce monde. Et par contre, le mystère autour de l'ombre demeure. Quel était le vrai but de ces ombres? Pourquoi ils mettaient autant de peur chez les citoyens du monde d'Aether? Et finalement, est-ce que ces ombres vont revenir? Tant de questions qui ne sont pas encore résolues. Et voilà, donc on a un global pour le mode histoire. Donc 22 minutes en tout. Après, il y a des choses à remettre à jour. Enfin, après, je pense du coup que ça, ce sont les temps que j'ai fait dans le live play. Et... Enfin non, parce que Forceband, j'ai fait beaucoup plus longtemps, souvenez-vous, avec la défaite calamiteuse sur le run de Forceband. Ça fait que le temps n'est pas à jour, c'est sûrement celui que j'avais fait auparavant. Mais soit. Donc on arrivait à un total de 20 minutes. Et voilà, donc il y a le petit crédit interactif en plus. Alors, ah non, c'est pas comme dans Melee, on peut pas attaquer les personnages sur... Enfin, les noms sur les crédits. Parce que ouais, souvenez-vous, c'est quelque chose, même dans Ultimate, qu'on peut faire... On va faire ça directement, voilà. Quand même un peu technique, hein, c'est sympa, puis comme ça on peut s'occuper là où généralement les crédits sont plus passifs, mais là c'est sympa. Puis ça peut être travailler un petit peu le perso aussi, c'est une feature intéressante en vrai. Je me rappelle plus vraiment qu'il y avait, enfin plus du tout d'ailleurs qu'il y avait une espèce de mille crédits comme ça. Bon, voilà par contre. Ouais. Voilà, ça va suffire. Oh, c'est sympa, ouais. Puis le mode histoire, franchement, je pense que sincèrement, il y a déjà un meilleur scénario que pour... je suis désolé, hein, mais les modes de Smash, en tout cas, surtout le dernier. Parce que bon, évidemment, l'émissaire subspatial de Brawl restera le meilleur mode solo de l'histoire des Smash, hein, sans aucune contestation. Mais c'est un peu dommage qu'ils aient... après, Sakurai a beaucoup de taf, hein, et je pense que refaire un solo de cette envergure était compliqué, mais... Mais c'est dommage quand même d'avoir une espèce de simulacre de solo sur Smash, là où voilà, des petits jeux comme Rival of Fizer proposent quand même des histoires. Même si après, on va pas se mentir, c'est un enchaînement de combat, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable, hein, mais je trouve qu'il y a un petit effort déjà, en termes de scénario, d'histoire surtout, que ne fait pas spécialement ou moins Smash depuis, depuis le 4 en fait. Même si le 4 il y avait un espèce de lore... c'était quand même bien plus en retrait.
contrairement à Brawl où là vraiment il y avait des interactions entre les personnages, une véritable histoire qui était racontée, puis des niveaux qui étaient variés en plus. Même le mode classique, enfin pas le mode classique du coup, mais le mode aventure de Melee était vachement bien en comparaison. Je pense que ceux qui ont joué à Smash à l'époque, ou même qui ont rejoué depuis, s'en souviennent. C'est le mode où on traverse tous les niveaux en fait iconiques ou inspirés des licences iconiques de Nintendo. Par exemple, on traverse un niveau typique de Zelda au début, puis ensuite on enchaîne avec... je crois justement c'est un niveau de Mario au début, forcément, puis ensuite c'est un niveau inspiré de Legend of Zelda, pardon. Et ouais, je trouve ça plutôt sympa de voir les choses pareilles, mais enfin, de voir les choses comme ça, mais j'ai l'impression que c'était un peu laissé à l'abandon. Parce que aussi, ils doivent se dire que les gens ne sont plus tellement intéressés pour du solo dans les jeux de baston. Ce qui est... Alors, c'est en partie vrai, mais bon, je pense pas non plus que c'est complètement le cas, puisque rappelez-vous, pour ceux qui avaient suivi la polémique autour de Street Fighter V et de l'absence de mode solo, qui a bien prouvé que, ouais, il y avait encore des joueurs qui étaient demandeurs d'un mode solo, et qu'on n'est pas tous là à tryhard pour essayer de gagner l'Evo, en fait. Ou gagner un tournoi quelconque, d'ailleurs. Donc ouais, le mode solo, à mon sens, il y a encore une importance, même si j'ai l'impression que là, les développeurs s'accentuent plus sur le côté en ligne et le côté compétition. Donc il n'y a pas son tir. Oh là, il y en a plein. C'est vrai que le côté compétition, en même temps, apporte tellement plus... Enfin, ça attire beaucoup plus de marketing aussi et plus de revenus, donc forcément, ça crée de la hype aussi. La fin, vraiment. Oh là, surprise jusqu'au bout. Eh bien, pourquoi pas, allons-y, on peut... Voilà. Ok, d'accord, donc ça c'est le mode Abyss que je vous parlais, bah tiens, on peut le découvrir en même temps. Donc le mode Abyss, il se présente comme suit, vous avez des vagues d'ennemis qui viennent au fur et à mesure, et d'ailleurs vous avez quelques persos, bah tiens, petit teasing, parce que je comptais pas vous laisser comme ça, j'allais également vous parler des autres persos, après, faire une espèce de showcase, si on peut appeler choses comme ça, pour vous montrer les autres persos en DLC qui sont apparus plus tard, et également... des personnages totalement gratuits qui sont venus. En fait, c'est des persos du workshop. Vous avez vu une petite souris, c'est un perso du workshop qui était en fait intégré de façon officielle au roster du jeu, ce qui est vachement cool. C'est quelque chose que j'ai trop vu en fait, c'est un jeu de baston. C'est comme si, je sais pas, demain Street Fighter s'ouvrait au workshop et Capcom proposait aux joueurs qui ont créé des persos via le workshop de les intégrer au roster en fait. C'est vachement cool, je trouve. Puis en plus, ils n'ont pas juste intégré les persos comme ça, parce que bon, s'ils se contentaient juste de prendre les persos que j'ai dans le workshop et de les intégrer au roster, bon, ça ne servait pas à grand chose. Mais là, en fait, ils ont vraiment retravaillé les personnages avec le savoir-faire qu'on connaît, enfin que moi que j'admire beaucoup de Dane Fornici et de son staff. Hein, et ça rend du coup les persos parfois plus intéressants que ceux de base dans le workshop. Parce que bon, il y avait quand même, vu que certains sont font ça en amateur, j'imagine, ou. Ils ont peut-être des notions en game design, mais ils sont peut-être pas aussi affûtés que Dane Fornici. En fait, ça rend certains personnages beaucoup plus jouables. En tout cas, ça... Comment dire? Ça convient beaucoup plus au gameplay de Rival Fighter. Disons que là, en plus, c'est des interactions qui sont vraiment officielles. Là, au vent, c'est un peu compliqué parfois les interactions avec les personnages entre ceux de base et ceux du workshop. Mais là, pour le coup, tout a été rééquilibré. Bon, après, il y a encore des patchs à faire. Hein. Récemment, il y a eu un patch à ce niveau. Mais bon, c'est quand même... Il y a quand même un gros taf de fait. Parce que vraiment, ils ont rework le skin aussi. Même si, pour être tout à fait honnête, s'ils ont pris ces persos, c'est que vraiment, ils étaient très très bons de base. Enfin, que ça se démarquait du lot par rapport aux autres. Parce que sur leur shop, hein, vous l'avez peut-être deviné, il y a de tout. Vraiment, il y a vraiment, vraiment de tout. Pour ceux qui suivent Tiny Advantage, il y a également le Fox de Tiny Advantage, celui qui crie Aya dans tous les sens et qui est juste insupportable, plus que celui de Melee. Donc voilà, vous avez ce genre de perso, vous avez... Qu'est-ce qui vient encore à l'esprit? Bah, des persos de manga, évidemment. Les gens qui rêvaient d'avoir Goku sur un Smash Like, et ben, ils l'ont eu, voilà, finalement. Et je crois que Akuma et d'autres persos comme ça, enfin bon, le workshop où vous pouvez passer votre vie, pour le coup. Mais bon, la qualité est quand même très variable. Et bon, si ces persos ont été choisis, c'est que vraiment, il y avait quelque chose de plus, en fait, hein, par rapport en termes de qualité, de travail sur le perso. Même si bon, encore une fois, sur le workshop, il y a des personnes très douées, hein, ça,
Ça, c'est une évidence, mais bon, c'est sûr que cela se démarquait du lot. Et donc, c'est pour ça que Dan Fornacy les a choisis, j'imagine. Et justement, on fait un travail après derrière. Donc, en vrai, c'est cool, franchement, qu'il y ait un tel retour par rapport à la communauté, je trouve ça vraiment appréciable. Hein. Puis en plus, le jeu est mis à jour encore, il y a encore des tournois dessus. C'est plutôt sympa, sachant qu'en plus, il y aura certainement un 2, et qui sera en 3D cette fois. Parce qu'il y a eu des images qui ont été du coup partagées par Dan Fornacy et son crew. Et donc, il y aura effectivement un 2, qui va changer 2-3 choses a priori au niveau du gameplay, puisque il y aura un shield a priori de ce qu'on a vu. Chose qu'il n'y a pas, enfin en fait, non, quand vous avez bien vu, en fait, il n'y a pas shield dans le jeu, c'est un système de paris. Donc d'esquive et de pari quand vous appuyez sur la bonne touche pardon pour contrer votre adversaire. Mais là a priori il y aura un shield de Rifle of Azure 2 qu'on fera peut-être en let's play, hein, qui sait. On verra bien, mais là pour l'instant la date n'a pas été annoncée, mais j'imagine bah tiens on les revoit du coup ceux-là. Donc du coup je vous disais voilà on revoit ces boss là, le boss du coup du mode campagne. Mais ouais après on n'a pas de date de sortie encore connue pour Rival of Azer 2, mais j'imagine que déjà s'il taf pas mal sur le premier, on verra peut-être pas tout de suite. Donc bon, un peu de patience encore. Sauf qu'en plus il y aura d'autres projets avec Rival of Azer. Ils comptent faire un RPG au tour par tour sur ce monde là. Il y a déjà le free-to-play jeu de cartes façon triple triade. Pour ceux qui ont la ref, qui s'en souviennent, c'est le jeu de cartes de FF8. Et donc Rival of Azer a son jeu de cartes comme ça. Inspiré de ce mini-jeu sur FF8, hein, qui est très sympathique en soi, mais c'est juste que c'est un jeu mobile avec tout ce que ça comprend en termes de gacha et d'implication, donc c'est moins, enfin j'y vais un peu moins souvent, même si après, il est sur PC aussi, sur Steam, évidemment gratuit, hein, ils n'ont pas fait payer non plus, mais c'est vrai que, je sais pas, après, c'est peut-être parce que moi, je me suis un peu moins friand de jeux mobiles. Mais après le jeu reste de bonne qualité en tout cas. Et c'est pour ça que moi j'y vais pas, mais je pense que les gens y trouvent leur compte. Là il y a même un Discord spécialisé sur... qui traite justement du jeu. Donc non, après le jeu sont qu'il est actif et à sa communauté, c'est juste que déjà, on va pas se mentir, Rival ça reste un jeu de niche, de... Même pas une grosse niche, hein, du coup, mais vraiment... Il y a quelques gens qui y jouent, mais c'est loin d'avoir le succès Smash. Hein, J'irais même de Brawlhalla, je sais pas, parce que Brawlhalla, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'adeptes du jeu. Et Smash, beaucoup moins. Bon. Il y en a qui savent très bien, du coup, que Brawlhalla, c'est pas un jeu que je porte dans mon cœur, mais... Disons qu'après, c'est bien hein, que le jeu ait sa communauté. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'un jeu aussi soigné que Rival n'ait pas sa communauté, en fait. Ou en tout cas, qu'elle soit moins répandue qu'elle ne le mérite. Parce que franchement... Vu le jeu que c'est, Rival of Azer, ça mériterait vraiment d'avoir beaucoup plus de personnes qui s'y intéressent. Je pense vraiment que dans la communauté des gens qui jouent à Smash, il y aurait beaucoup de gens intéressés par Rival. Hein. Et surtout les gens qui ont commencé par Melee ou qui font du compétitif sur Melee. Parce que ce jeu est quand même bien plus proche de Melee que n'ont été les Smash récents. Quoi. Même Ultimate en soi, même si Ultimate... la pace du jeu, enfin la vitesse du jeu a été augmentée, qu'il y a un meilleur équilibrage, on va aller c'est terminé pour le mode Abyss en vague 20. Là je trouve qu'on est quand même un peu loin de ce qui se faisait avec Melee quoi. Après, c'est bien, c'est mal, c'est à chacun de voir, hein. Mais disons que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient s'y retrouver sur Rival et qui malheureusement ne connaissent pas le jeu et moi je trouve ça un peu dommage. Mais enfin c'est comme ça. Donc là, ouais, on atterrit sur le menu du mode Abyss hein, qu'on a parcouru. Et on va conclure le Let's Play cet épisode là-dessus. Donc, a priori, je vous donne rendez-vous pour un ultime épisode de ce Let's Play. Pour vous présenter un peu les personnages du jeu, voilà, les autres personnages du roster. Et il y aura peut-être une collaboration, qui sait. Je vous laisse la surprise. En tous les cas... Je vous fais le petit disclaimer rapide ou le petit rappel rapide de fin de vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord. On est chaleureux, on est bienveillant. On a plein de discussions, plein de sujets avec lesquels, sur lesquels on peut parler avec vous. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre, en tout cas donc sur le Discord, je le disais. À lire nos articles sur notre site.
et également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on est maintenant partout avec tout ça, donc Facebook, Instagram, Snapchat. Peut-être pas Snapchat d'ailleurs. À vérifier, mais c'est pas sûr. En tout cas, tout le reste, on y est. On vous y attend très nombreux et n'hésitez pas également à suivre nos autres vidéos et à vous tenir informé de notre activité. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut, salut !